Et bonjour, c'est Fabien. On se retrouve sur le nouveau jeu Tom Clancy. Vous le voyez là. Donc, je ne sais pas. Je viens de lancer le jeu, pour être franc. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Ouais, je regarde là en même temps. Tant que j'y pense, parce que sinon, la vidéo va durer 3 heures. Donc voilà. Bref. J'ai regardé les paramètres. Je me suis mis en sans bordure. Et je suis en élevé niveau graphisme, il me semble. Donc voilà. Par défaut, c'est en élevé, donc voilà. C'est un petit peu long le chargement, par contre là. C'est marqué en bas à droite le chargement. Vous y arrivez. 100%. C'est un peu long. C'est bon. Création. Voilà. Voilà que je ne le vois pas ou comment ça se passe. Allô, oui? Allô? Ok. Bon ben je fais ça. En élite, ce sera pas mieux, mais comment dire, enfin, je pense, hein, même, avoir une bonne expérience en général des FPS, donc YOLO, enfin, voilà. Un peu long le chargement, hein. L'agent qui est mort. Vous étiez proche? C'était un ami à moi. Toutes mes condoléances. Je sais que c'est les risques du métier, mais c'est quand même dur à encaisser. Ouais, ça c'est clair. Ça doit faire longtemps que t'es là. Je me fais passer pour Karen Bowman, travailleuse humanitaire. C'est un peu galère, mais je peux aller où je veux, sans trop me faire emmerder. Au moins, on te fournit l'hélico. Vous êtes venu comment? Je suis venu en business class de Manaus. Mais, celui-là, c'est tout ce qui compte, non? J'ai fait du stop depuis Barranco, au Pérou. Et toi? Je suis monté dans un bus à Jujuy, en Argentine. J'ai picolé tout le long jusqu'à Villazón. Personne veut s'approcher d'un poivreau dans un bus. Ça explique pourquoi tu pues la gueule. J'ai entendu parler de vous quatre. Je venais d'être nommé officier à Moscou lors du coup d'État. En haut lieu, on parlait de vous. Non, tu dois sûrement confondre. Moscou, je connais pas. En tout cas, c'est pas tous les jours qu'on rencontre une vraie légende urbaine. Ouais, bah va dire ça à mon fils. Là, peut-être qu'il m'écouterait quand je lui demande de sortir les poubelles. C'est dur d'être quelqu'un qui a aucune existence officielle. À toi de me le dire, Karen Bowman. Travailleuse humanitaire. Et je parie que vous avez vu de quoi les humains peuvent être capables quand ils n'ont pas à assumer les conséquences de leurs actes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Malgré tout ce que vous avez vécu, tout ce qui vous a endurci, rien ne peut vous préparer à être soignant.
c'est une sorte de pseudo-mystique, du genre qu'on aurait mieux fait d'interner. Il a fait vœu de pauvreté et de chasteté. Si son kiff, c'est ni la chasse ni la thune, il reste que le pouvoir. La mission est suivie par la CIA, les SUP et l'Interarm. Je serai votre officier de liaison. Bienvenue dans l'opération Kingslayer. Le briefing a parlé d'un contingent d'autochtones. Ouais, les Qatari 26. C'est un groupe de rebelles qui s'oppose à l'Unidad et à la Santa Blanca depuis longtemps. On va voir leur chef, Pac Qatari, une fois au sol. Les Boliviens portent pas les Yankees dans leur cœur, mais cette fois, j'espère que l'ennemi de mon ennemi sera mon ami. Et lui, tournez pas le dos, il m'y risquerait pas. Soldats. C'est ça l'aide dont vous me parliez, dont Sandoval parlait. Un seul Yankee meurt, et vous envoyez une poignée de soldats. Des centaines de Boliviens sont morts sous les balles du cartel. J'attends toujours mes centaines de soldats. Je te rappelle qu'on n'est pas là officiellement. Ces soldats sont l'élite des forces spéciales de notre pays tout entier. Avec eux, vous n'avez besoin de personne d'autre. Dites-moi, connaissez-vous le terme Ibris, Señora Bowman ? Voici Pac Qatari. Chef du groupe de résistants Qatari 26. On va unir nos efforts pour couper toutes les têtes de la Santa Blanca. Ils affrontent la Santa Blanca et les hommes d'État corrompus depuis près de 6 ans déjà. On va coordonner nos cibles. Non, il y a plus urgent. On nous a indiqué où Amaru est détenu. Amaru ? Tu l'as trouvé ? Amaru est l'un des fondateurs de Qatari 26. Plus que ça, tout notre groupe est fondé sur ses idées. Sans ces théories sur l'essor du prolétariat agraire, notre résistance organisée contre la Santa Blanca et la corruption n'aurait pas vu le jour. Amaru doit survivre. Si vous veniez en aide à mes hommes, je serais plus enclin à vous faire confiance. Où il est ? On ne sait pas exactement. Juste qu'il est dans la province et qu'un lieutenant de la Santa Blanca peut nous dire où il se situe. Je vais contacter mes hommes de l'ISA, voir s'ils arrivent à capter quelque chose d'intéressant. Partez chercher ce lieutenant et informez-moi de la situation par téléphone. Bonne chasse. La vie d'Amaru est importante pour notre cause, Yankee. Fais attention à ne pas tuer le lieutenant du cartel avant d'avoir pu lui poser des questions. Un peu ma sorcière, etc. en fait. Avant de jouer. Voilà, les tapes sont emmêlées, c'est chiant. C'est bon. Ouais, ma sorcière, ça peut encore aller. C'est l'heure de mériter votre solde. Allez, au boulot. J'avoue, ça me défrise un peu de collaborer avec Pac Qatari et ses rebelles. Leur idéologie, c'est le genre à finir en bain de sang à tous les coups. T'en penses quoi de cette OP, nomade ? Franchement, tout ça, c'est qu'une vengeance. Faut qu'on boucle cette histoire vite et bien avant de se retrouver le cul coincé entre les magouilles politiques et les balles du cartel. Premier objectif, retrouver le lieutenant de la Santa Blanca pour remonter jusqu'à Amaru. Je vote pour. Donc là, pour info, je suis à la manette du Xbox. Voilà, c'est faux. Donc il y a sûrement des coupures dans cette vidéo parce que là, je vais pas faire 2 km avec vous. Hop. Donc a priori. Hop. Voilà. A priori, il y a une grande carte. Et quand on dézoome, on pourra aller. Ce sera vraiment une très grande carte. J'ai l'impression. Elle est vraiment très grande. Il y a des routes de partout. Mais bon, de partout, là il y a un village, là il va y avoir un truc là. Donc ça, juste quand on voit la carte comme ça, bah, on voit qu'il y a quand même une grande carte, donc pas mal d'heures de jeu en général. Donc je crois que ça va être pas mal comme jeu. Donc là c'est vraiment le tout. Oh, presque. Ouais. On va
truc, puis je vous reprends tout de suite. Donc, je suis désolé. Donc il faut rester appuyé en fait. Ciel. Alors, prenez le temps les ennemis pour les repérer, je crois, comme ça. Le drone. Et déposer le truc. Je déploie le drone. Hop. Appuyez sur 3 pour ouvrir votre arme de poing, C pour ouvrir copier furtif. Des flux de détection. Ok. D'accord, ici. J'en vois un autre, jamais 203. Et c'est tout, je crois, hein. Voilà. Bon, on va y aller. Repérez le lieutenant du cartel. C'est lui qui sait où se trouve Amaru. Ouais, surtout, les trois hommes que j'ai sont en silencieux. Ennemi à terre. Voilà. C'était juste. On les contourne un petit peu. J'en ai eu un. Bon. Hop. On y va, encore du monde. On va s'approcher. Rien, Sicario. Solo. Mirador, là. Drone. On avance. On a un. Oh, la cible est là. Ouais. J'ai repéré un autre ennemi. Il y en a un ici, là, non? On arrive à 5. En plein dedans. Tac, on avance. Va indiquer aux rebelles où trouver ces marchandises. Ils nous renverront l'ascenseur plus tard. Ouais, il y a des petites quêtes secondaires, si je peux dire. En plein dedans. Silencio, marcha. Pinche cabron. Ok, du coup, tu réponds à mes questions ou je te colle une balle dans les boyaux et je te laisse crever dans ta merde. Comprenez? Faut te calmer, putain. Qu'est-ce que tu veux? Amaru, je le trouve où? Sérieusement? Ok, c'est toi qui vois. Non, il y a problème. Il est à Tolo Farm. Vas-y, tu verras toi-même ce qu'on fait aux ennemis du cartel, aux gens comme toi. Faut pas traîner. Amaru est pas tout jeune. Il tiendra pas longtemps sous la torture. Eh merde. Si ça se trouve, ça fait déjà un bout de temps qu'ils l'ont crevé. On n'en sait rien. Amaru, c'est pas n'importe qui chez les rebelles. Le cartel va vouloir le garder en vie tant qu'il peut pour lui arracher ce qu'il sait. Je veux pas tenter le diable. Il y a beaucoup trop en jeu. On y va. Ennemi à terre. Hop. C'est dégagé de mon côté. Allez, on décolle.
Le cartel va pas attendre bien gentiment qu'on aille sauver la manette. Allez, en route. On va essayer un peu de couper pour tester un peu. Ouais, c'est un peu la merde, hein. Un peu beaucoup grand. Oh putain. Bon, ça commence bien, hein. YOLO. Putain, YOLO. Hop là. Il y a un cours d'eau, pas grave. J'ai un peu baissé le son parce que j'ai l'impression qu'il est un peu fort. Enfin, sur le cas de la voiture. Au lieu tout en bas. On l'a appelé bruitage. Voilà. Fermé. Il est à peu près des civils. Là, cible numéro 5. Je vois deux sicarios, à côté de la grange. Hola. Très bien. C'est dans leur coin, on dirait. En plein dedans. Je crois que c'est bon, il est par casse. Ouvre le feu. À l'extérieur de la grange. Dégagez. Ça vaut pas. On va rien. Ennemi abattu. On change d'arme. On se copie. Hop. Tac. Hop. Dans ce coin-là, c'est bon. Vous êtes à Maru? Ou plutôt ce qu'il en reste. Venez, on va vous sortir de là. Alors, je casse. Je peux rien faire ici. Ah, peut-être prendre l'hélico. Ça peut être marrant. C'est moi qui pilote. Ouais. Où est-ce que vous m'emmenez? On vous ramène chez vos amis. Alors, Pat Catari a passé un marché avec Los Malditos Gringos. Quel petit con. Voyez ça avec lui, seigneur. Wow, 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 wow. Monte, monte. Wow. Ouais, si on accélère juste, je vais vous montrer juste après.
Si on fait juste accélérer, ça fait ça. Ça avance vraiment à mort. Hop. Oh, ça peut être. Moi, perso, oh putain. En général, je galère un peu quand même en général pour les hélicos, etc. Mais là, ça va. Plutôt easy. Comme truc. Bon, j'arrête d'accélérer là. Hop, le frein. Ça y est. Et je descends. Et voilà. Fini. Une seconde, il y a une caisse d'armement. Ustedes quiénes son? Alors l'équipement. Faut changer ça, non? Non, pas encore. On regarde vite fait hein, si on peut. Ah, on pourra mettre des soins et tout après. Les mines, on verra plus tard ça. Je vais blesser. J'ai eu droit à l'hospitalité du cartel. Ces Aoukas, ces démons qui m'ont interrogé. Disons que le recoulement suffisait à me faire vomir. Mais leur méthode n'était pas. Comment dire ? Il s'appelait Yuri Hippolyto ? Oui. Yuri Hippolyto. C'est ces enfoirés qui ont torturé Ricky Sandoval sous les yeux de soignants. Cela, je les veux. Tout ce qu'on a vu, c'est des sicarios en sauvant un marron. Mais je n'ai pas vu Yuri Hippolyto depuis au moins 3 jours, peut-être 4. Je sais pas ce qu'il prépare. Il faut qu'on se rencarde. On fouillera chaque village, chaque camp jusqu'à trouver une piste. Quelqu'un doit savoir quelque chose. Fouillez la province, piratez leur système, interrogez les lieutenants ennemis, parlez aux civils. Faites ce qu'il faut. On va passer le coin à la loupe. Hop. On a le dossier de Bowman sur Yuri Hippolyto en cours de transfert. C'est le dossier sur la Yuri et Hippolyto. Ils font partie intégrante de la filière sécurité du cartel. Pensez à consulter le briefing de Bowman sur leur hiérarchie. Le responsable de la sécurité, c'est El Moro, le mur. Garde du corps personnel et ami d'enfance d'El Sueño. Le petit frère d'El Moro, c'est La Plaga. Une belle ordure. Très actif sur les réseaux sociaux. C'est le sicario en chef du cartel. On est parti. Si on veut Sueño, il va falloir remonter progressivement jusqu'à lui, en commençant par Yuri Hippolyto. On récupère les intels, on localise les cibles, on les élimine. Hola. ¿No es así? Ça ira bien avec mes bottes. Oh. Moi je suis sniper hein, donc peut pas modifier. Non. Ah on a pris une pièce dans le corps. Bien deux. Donc là je suis à la manette. Hein. Non, non. Hop. On va où maintenant? Par là je crois. Hein. Ça fait une petite demi-heure que je suis en... en vidéo pour l'instant. Olé. On va arrêter le convoi. Sortir bien.
cible. Merde, prends-toi. D'accord. J'ai pas compris. Voilà, j'étais à la manette, hein, donc. Voilà. C'est la bonne excuse, on va dire. Putain, c'était juste. Ok, ça va, on est tranquille. Nomad, j'ai pas Katari au bout du fil. Il a l'air d'avoir besoin de notre aide. Passe-le-moi. Hola, compadre. J'ai un problème à Ita, quoi. Bowman me dit que vous pourriez m'aider. Mais... les hommes ont besoin d'aide. Beaucoup ont été tués par le cartel. Les autres sont terrifiés par les atrocités de Yuri et Polito. Le brasier de la révolution menace de s'éteindre. Épargne-moi ta rhétorique, Katari. Dis-moi ce que tu veux. Un convoi du cartel doit bientôt traverser la province. Sa capture redonnerait non seulement des vivres, mais aussi de l'espoir à mes hommes. C'est dans vos cordes ? C'est carrément dans nos cordes. On fait ça en même temps, hein. On est à côté. Merde. On va monter. Je l'ai eu. Voilà. Et on se casse. J'attaque l'ennemi. On est à la botte de Pac-Katari maintenant. Il a besoin de ce convoi. Ça mange pas de pain de lui filer. Plus il sera tributaire de nous, plus on... Attendez. Un sniper. Bordel de... Allez. Putain. Ah putain. Bon, on va redémarrer où ? Bonne question. C'est un peu long par contre les chargements en général, hein, je pense. Enfin, pas je pense, c'est une évidence plutôt. C'est bon. Cible abattue. Il y a un sniper là-bas. C'est bon. C'est bon, tout va bien. Et je sais pas de jouer avec le snipe. Contact, unité ennemie en visuel. J'en ai eu un. Ils sont en alerte. Duel. J'en ai eu un. What the fuck? On est au calme. Une balle à mort, quoi, please. On a donné un coup de pied dans la fourmilière. Ça sert à rien de leur foutre la trouille. Baissez vos armes. Une cible avec des pistolets mitrailleurs. J'en vois un autre. J'ai une cible. On a donné un coup de pied dans la fourmilière.
plein dedans. Ils savent qu'on est là, on se lâche discret. Ennemi abattu. Engagez les cibles. Ennemi abattu. Ennemi abattu. Au point de contrôle. Putain. Mon désolé si je parle pas beaucoup, mais j'essaie de me concentrer un petit peu quand même. Hein, un peu beaucoup quand même. Donc voilà. Putain, c'était juste. C'est pour ça que je parle un petit peu. Voilà. En plein dedans. De ce côté. Je crois que c'est bon. Hein? Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que là, je vais passer au montage. Je vais vous laisser. Voilà. Ce que j'ai tourné pendant plus d'une heure là. Donc je vais faire du montage, je pense. On est là. Ah, il y a un truc qui arrive, je crois. Il reste sur nous ou pas? Qu'est-ce que tu foutais?
je vous dis à la prochaine, ce sera ce jeu ou un autre jeu, hein, je verrai bien. Je vous dis à la prochaine.